Et salut à tous et bienvenue pour ce 19e épisode en bonne compagnie de Rise of the Tomb Raider. Donc je pense que ça va être l'avant-dernier épisode hein, parce que là il reste plus grand chose à faire. Enfin je pense qu'en une heure hein, c'est bon, le jeu sera plié, il n'y a pas de soucis. Enfin la fin en tout cas. Je vous lis un petit message et je vous reprends tout de suite. Alors déjà ça c'est bon. On a été con, on doit se servir des trébuchés, enfin du trébuchet. Vous allez voir qu'après, le système de trébuchet, ils ont adoré ça chez Square Enix. Et donc du coup, bah, va pas arrêter de devoir se servir de trébuchet pour pouvoir ça devrait être bon. Pouvoir passer des portes. Non. Trop court. Ah non. Ça va, ils ont compté comme bon. Pourtant, je le voyais bien court, moi. Bon, ça, c'est Fex. Ouais. Dans le mille et mille. Wouhou! Ah d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait un truc à grimper au-dessus en fait. Il y a du monde encore qu'elle se cache comme ça là. Peut-être des sangliers ou quoi, j'en sais rien. Mais je pense que niveau soldat, il doit plus rien avoir. J'espère. En même temps, de toute façon, je retournerai pas en arrière, hein, j'ai envie de vous dire. Alors. J'ai bien dû entendre cette histoire une dizaine de fois. Mais je ne m'en lasse toujours pas. J'aurais aimé que ça dure. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Je sais pas, et pareil, c'est un truc qui me choque un peu quand même. Elle semble pas spécialement traumatisée d'avoir vu son père mort sur son bureau avec le pistolet à la main. Je pense que ça aurait... traumatiser plus d'un enfant d'avoir vu son père s'être suicidé chez soi. La structure a été abîmée. La bataille a causé beaucoup de dégâts. Mais la cité tient encore debout. Donc là, ça va être encore une petite phase de combat. Donc d'ailleurs, on va avoir de nouvelles flèches. Encore une fois, on a toujours le même principe, hein, on trouve trois flèches, donc du coup, toutes nos flèches seront avec le même cran. Avec la même pointe, en tout cas. Donc voilà, maintenant avec nos flèches, on pourra passer au travers de leurs armures un peu plus facilement, donc on pourra faire un peu plus de dégâts. Bon, je suis en train de me saouler. C'est moi, je suis au moins visé encore avec le fusil. Ça pourrait aller, je dirais. Ouah, sérieux. Ils m'ont défoncé les gueules. Donc comme quoi, j'avais bien appuyé sur rond, y'a pas de soucis, hein, mais ça a pas comptabilisé. Oui. À ce rythme-là, moi, je vais plus en avoir, hein. Ah mais c'est saut qui te tente là à chaque fois. Tiens, je la plante la flèche moi. Et alors?
Mais retiens. Ah, oh, mais sérieux. Ça, c'est sûr, c'est parce qu'il a encore son casque, ça, que ça me fait chier comme ça, là. Oh, oh, oh. Voilà, mais bon. Ah, je sais ce que je vais faire. On va pas se laisser marcher dessus non plus, non? Eh oh! J'y suis presque. La chambre des âmes est derrière cette porte. Je dois juste trouver un autre trébuchet. Voilà, comme je vous disais, hein, ils ont adoré l'idée du trébuchet. Donc évidemment, là, toutes les ressources que j'avais... Ben... Ah non, ça va, elles n'ont pas encore disparu. Et donc des trébuchets, il va falloir en faire 15 000. Tu as peu de temps devant toi, Lara. Tu dois atteindre la source avant eux. Tu ne peux rien faire de plus pour m'aider. Va te mettre en lieu sûr. Pas question. Tu as besoin de nous autant qu'on a besoin de toi. On survit ensemble ou on meurt seul. Allez, vas-y. Alors ça c'est juste pour revenir en arrière, ça par contre je vais pouvoir accrocher un truc, ouais. Taïo ! Ça c'est pour revenir en arrière aussi. Je dois quand même juste un petit bout de corde et une flèche, elle a quand même défoncé des sacrés morceaux de bois. Hein. Elle irait à la grenade, je comprendrais, mais... Alors ici, ça va être assez rigolo. Assez rigolo parce que assez chiant. Voilà, ça on peut pas accrocher, ça faut réussir à le casser. Et vous allez voir comment. Si j'arrive à m'en souvenir assez rapidement. En tout cas, on sent une bonne petite note de musique à la Nosgoth un peu, hein, dans cette musique-là, là. On croirait vraiment du Legacy of Kain ou du Soul River. Et voilà. Hop là. Non, 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 non.
Je crois que c'était une paroi où je pouvais m'accrocher. Mais non, c'est les flèches qu'il faut mettre. Ah, mais vraiment, en tout cas, le bruit du tambour, c'est vraiment du Nosgoth, quoi. C'est... Hop là, wow, le saut qu'elle m'a tenté. Ouais. Ok. Non! Non! Ouh, c'était pas beau ce bruit. Ça m'a donné des frissons et tout, dis donc. Ok. Alors, on va y aller plus court, hein. Connasse, pourquoi tu t'arrêtes sur le bord du truc avant de sauter? T'en fous du petit obstacle là, tu le sautes et puis c'est bon. Faut le refaire 10 000 fois quand même. Alors... Oh non, qu'est-ce que je gêne? Oh là là! Quelque chose me barre la route. Il doit y avoir un moyen de la dégager. Donc, il me semblait bien que le truc d'en face, ça me parlait pour quelque chose. Donc voilà, c'est toujours des énigmes à 2 francs 50, mais voilà, c'est. Comme je vous ai dit, c'est vraiment l'histoire de nous faire perdre le maximum de temps avant d'arriver à la fin là. Là, on sent que Square Enix, ils avaient du mal à trouver de nouvelles idées un peu qui valent le coup et... Voilà, c'est en gros, à chaque fois, ils nous font tester d'une façon et... ah non, je peux pas. Donc zut, il faut que... maintenant que j'ai vu que je pouvais pas, maintenant, il faut que j'arrive à trouver de savoir comment faire. Je vais pouvoir aller enfoncer cette porte. C'est assez dommage, je trouve. C'est voilà, c'est un peu facile comme principe pour une fin de jeu, quoi. Allez, hop. Mais pas du tout. Nickel alors, hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Alors sachant quand même que les boulets se rechargent automatiquement, ça c'est pareil, j'aimerais bien savoir d'où ils sortent tous ces boulets là. Donc voilà, on n'a pas encore détruit la porte, on se fait attaquer par un autre trébuchet qui nous casse le nôtre. Donc maintenant il faut qu'on aille conquérir ce dernier trébuchet là. Qui fonctionne très bien, mais qui, vous allez voir, va avoir un souci quand ça va être à nous de nous en servir. Aïe. Aïe. Voilà, ça c'était réglé, j'étais pile poil dans la ligne de mire. Donc c'était parfait. Alors ça qui va être rigolo.
Vous voyez, hein, comme par hasard, hein, je peux pas tourner le truc hein, parce qu'on voit bien la neige qui est en train de le bloquer. Donc il faut que je trouve un moyen pour le débloquer. Et ce moyen-là est assez pénible, on va dire. Alors. Tu sais qu'il y a une histoire avec cette cascade d'eau là. Mais là, elle tombe pas juste là, l'eau. Ah oui, non, d'accord, ok. Le quittage a certainement duré des mois. C'est pas comme ça. C'est presque, mais c'est pas comme ça. En gros, là, voilà, il faut qu'on se serve de cette bascule-là pour casser la glace. Mais évidemment, là, la bascule est trop basse. Donc, il faut donner du poids de l'autre côté pour réussir à basculer suffisamment haut pour... Non, mais... Oh! Faut que je réfléchisse pour toi, maintenant? Voilà. Ça devrait faire contrepoids. Alors, on va le tirer vers nous, histoire de le faire descendre. Pourquoi est-ce que ça se remplit pas? Il y a une subtilité qui m'a... Ah oui. Il se vide. Faites ça d'abord. Voilà. Voilà, là on est bon. Et ça, j'ai mis un sacré bout de temps avant de réussir à comprendre comment qu'il fallait faire. Hein. Trop haut. Alors. Donc, du coup, il va falloir le vider un peu, mais pas trop. Voilà. Maintenant, on est bon. Oui, ça a marché. Ah, oh, j'ai du cul. Alors. Alors là, on va essayer de le choper avec ça, apparemment, alors, hein, du coup. Allez, en plein dans le mille, allez hop. Putain, mais j'augmente vite en point de compétence, c'est incroyable. On voit que les chiffres ils montent pas bien haut entre chaque niveau. Encore y'en a? Ah oui.
Voilà. Alors, savez-vous trébucher pour allumer les feux de signaux? Bon, on va essayer de le faire. Là, il a une target à tirer sacrément loin, là, le trébuchet. Ah, il ira jamais aussi loin là-bas. Ah, j'aurais dû le faire avec le premier trébuchet, ouais. Bon, mais voilà, hein, c'est foiré, on va pas s'enquiquiner la vie pour rien. De toute façon, parce que ça va nous rapporter. Non, trop court. Oui, largement trop court. Ouais. Là, est-ce que je suis pas un peu trop à droite? Tourne à gauche, tourne à gauche! Voilà, on est bon. Allez, il ne reste plus que nous barrer. Okay. La voie est libre. Et évidemment, le chemin est tout tracé pour partir. Hein. Faut bien se douter que... Ils font chier avec le trébuchet, mais plus qu'ils nous aident pour la sortie, quoi. Oh, ce bug! Mais aïe! Putain, mais il y a un trébuchet qui me tire dessus là. On va éviter de leur passer devant, hein, t'as qu'à faire si on peut éviter. Ouah, c'est une mur invisible. Ah, j'ai oublié ce petit passage à la con aussi. Hein. Fuyez, pauvre fou. Fly, you fool. Hey, salut toi. Hey, j'ai vu qu'il me semble une peur à chaque fois là. Ça paraît logique, c'est que ce que les archers ne donnent que des flèches quoi. Bon,
Par contre, ce qui est pas très logique, c'est qu'il est lancé dans des cartouches de fusil à pompe et des cartouches de fusil d'assaut. Non, les Trinitaires ont réussi à percer la couche de glace. Alors. Là où ça va être assez compliqué, parce que il va y avoir des endroits où on va se dire ouais ça va c'est bon ça passe. Et d'autres que bah non ça passe pas du tout en fait. Voilà, là par exemple je pensais pas que ça du premier coup. Donc même s'ils nous orientent plutôt bien avec la caméra, parce qu'évidemment ils sont toujours là pour nous aider un maximum, hein, bah il y a des moments où on va se dire ok bah c'est par là qu'il faut aller, alors que c'est pas du tout par là où la caméra nous montre qu'il faut aller quoi. Putain, pas du tout. C'est pas le côté intuitif qu'on pourrait croire. Enfin en tout cas que moi personnellement je pourrais croire. Ah putain, je l'avais pas vu lui. Et hop là. Calmez, oui. Voilà, ça va être là. Je sais plus quoi. Ah, qu'est-ce que c'est fait? Mais t'es taré ou quoi? Mais lâche-le ton grappin. Voilà. On va essayer de caler au mieux, hein, comme ça si jamais il faut descendre, on aura déjà une flèche pour descendre. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vraiment pas été bon la première fois que je l'ai fait? Mais là, c'est vrai que ça a pas l'air d'être spécialement compliqué en fait. Hop là! Faut pas se gratter la hanche et en plus, ça va du pilier en même temps. Hein. Alors, il faut aller là. Ah oui, putain, j'ai pas vu. Hop là! Tu veux aussi? Ou tu plantais directement tes piolets dans la glace et on montait plus vite? Allez, on sauvegarde le petit coup. On va prendre nos 3 points de compétence. Putain, mais on a pris un bloc là! Voilà, ça c'est fait. Même si ça ne sert à rien, parce que de toute façon c'est pas l'arc dont je me sers.
Et si, 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 comme ça, ça t'ouvre la voie, ma grande. Et si j'avais pas fait ça, ça t'aurait pas cassé les cailloux. Et t'aurais pas pu continuer à monter. C'est clair qu'il vaut mieux pas avoir le vertige quand même. Donc là voilà, à la rigueur, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils font ça et s'ils n'ont pas un chemin pour y aller. Mais justement à la rigueur, bah non, il n'y a pas d'autre chemin pour y aller parce que nous-mêmes on passe par là, donc ça semble logique qu'eux aussi soient obligés de passer par là. Sauf que bon, j'aimerais bien voir un homme en armure réussir à faire ça quoi. Il saute. Excusez-moi. Évidemment, ils ont vu les immortels, mais pas nous. Hein. D'accord. Mais qui que quoi? Mais t'es béni ou quoi? Ça va, il ne faut pas recommencer si loin, c'est déjà pas mal. Ah oui, mais merde, d'accord. Hop là. Mais arrête de sauter dans tous les sens, connasse. C'est tout ce que j'ai arrêté d'appuyer sur le bouton pour sauter et hop là, elle continue à 10 fois après elle. Genre elle comptabilise toutes les fois où j'ai appuyé dessus pour sauter le nombre de fois où j'ai appuyé dessus. Bah les couilles, j'ai munitions infinies. Voilà, dégage. Et là on est vraiment pas loin de la fin du jeu. Hein. Il reste qu'une minute 38 des vidéos. Bah voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode là et on finira pour l'épisode prochain. Hein. Là, en gros, on arrive au combat final. Lara, baisse-toi! Sophia, où es-tu? Je te vois, Lara. On va faire tout ce qu'on peut pour te soutenir d'ici. Ouais, parce que moi, j'ai des yeux, mais j'ai 125 sur 20, moi, à mes yeux. Donc voilà, bon, on va le sauvegarder là. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura bien plu. On va mettre sur pause pour éviter de crever au passage. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura bien plu. Donc n'hésitez pas à poster un petit commentaire, un petit like si ça vous a plu. Si ça vous a vraiment plu, un petit abonné, ça fait du bien aussi. Et si vraiment vous trouvez que notre travail est excellent, n'hésitez pas à partager notre travail sur les réseaux sociaux. Donc que ce soit Facebook, Twitch, ce que vous voulez. Hein. L'essentiel, c'est de faire passer le message. Que d'autres personnes s'y intéressent aussi et qui sait pouvoir agrandir la communauté. Donc en tout cas, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez tout le monde et amusez-vous bien.